Qu'est-ce qui se passe? Bizarre, ce truc-là. Je vais aller jeter un œil. Il y a quelqu'un par là? Cette trace. Non. C'est nul cette soirée. Vous êtes tous en train de jouer et moi je fais rien que m'embêter. Écoute, désastre, si tu ne sais pas quoi faire, tu n'as qu'à venir nous regarder jouer aux échecs. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce coup-là, Toby? Et Jazz, il revient quand, grand-père? Je ne sais pas, désastre. Quand les inventeurs se réunissent, ça peut durer des jours. C'est extraordinaire! J'attends ça depuis des années. Jazz, il faut absolument que les fantômes voient ça. Ah bon, et de quoi s'agit-il? Une exposition unique au monde. Une exposition sur les loups-garous. Jazz, je compte sur toi pour nous y conduire demain. Il faut absolument voir ça. Bah moi j'y vais pas parce que ça fiche la trouille, ces bêtes-là. Bien, puisque tout le monde semble d'accord pour aller à cette expo, c'est d'accord. Je viens de te dire que j'étais pas d'accord. Et maintenant, tout le monde au lit. Dis, grand-mère, ça existe vraiment, les loups-garous? Mais bien sûr, mon petit Toby. On dit même qu'ils enlèvent les jeunes filles à la pleine lune et que, grâce à elles, la race des loups-garous ne meurt jamais. Alors, j'avoue que c'est passionnant. Tu sais, désastre, il paraît que les loups-garous, ils mangent les fantômes bleus. Oh. Oh, mais non, c'était pour rire. C'est nul, ta blague. Tu vas te faire gronder par Jazz. Allez, au lit. À l'idée d'aller voir cette exposition. Vous allez voir, les loups-garous sont des êtres exceptionnels. Excuse-moi, grand-mère. Jazz, j'écoute. Je vous attends dans mon bureau dans 10 minutes, mon garçon. Ne traînez pas en route. Pas de problème, j'y serai, commissaire. Oh, bah bien, et mon exposition? Plus tard, grand-mère, plus tard. Oh, bah non, c'est toujours la même chose. Mamie, il revient quand, Jazz? Un peu de patience, il ne devrait plus tarder maintenant. Ouais, bah moi je suis pas pressé, hein. Mais... Les loups-garous, ça me fiche trop la trouille. Je crois que tu t'es fait chipper ton bonbon, Toc-Toc. Il ne faut pas rester là, madame. Vous gênez le passage. Le passage? Oh, pardon, je vais me garer plus loin, monsieur l'agent. Merci. Regardez ce qu'il a fait de mon fusil. Et vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Vous me croyez ou non? Moi, je vous dis que c'était un loup-garou et je reviendrai pas là-dessus. Bien, vous pouvez disposer, on va s'occuper de cette affaire. Messieurs, ben le bonjour. Alors, vous en pensez quoi de cette histoire? Je crois que l'exposition sur les loups-garous échauffe un peu les esprits. C'est bien mon avis. Désolé de vous avoir dérangé pour rien, mon garçon. Ça va, les enfants? Ça va. Oh! Oh non! Grand-mère! Mais qu'est-ce que tu as fait avec la voiture? Évidemment, toujours en retard, l'inspecteur Jazz. Puis-je vous aider? Je me présente, professeur Von Lupus. Je suis l'organisateur de cette exposition. Lucy Scarfield, je suis journaliste à la Gazette. Je suppose que vous venez faire un article sur mon exposition. Oui, c'est bien ça. Je suis charmé, très honoré, chère mademoiselle. Si vous le permettez, je serai très heureux de vous faire la visite moi-même. C'est-à-dire que j'attends des amis? Ils vous rejoindront à l'intérieur. Venez, ça sera pour moi un honneur. D'accord. Je savais bien qu'ils me laissaient un piège. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Avec ce truc-là.
fait froid dans le dos. On croirait un vrai. Rassurez-vous, jolie demoiselle, il ne s'agit que d'une statue de cire. Mais approchez, le plus intéressant se trouve ici. Non, permettez-moi de vous présenter mon assistant, Herbert. Il m'accompagne dans toutes mes expositions. Bonjour. Mademoiselle. Veuillez nous laisser, Herbert. Et voici maintenant un objet unique. Très étrange, qu'est-ce que c'est? Cette ceinture a d'immenses pouvoirs. Il suffit de la mettre autour de la taille et prononcer les paroles magiques pour se transformer en loup-garou. Je suis très impressionnée. Oh, excusez-moi. Allô? Bon, d'accord. Je viens vous chercher. Et est-ce qu'Agathe va bien? Il est temps pour toi d'assurer ma descendance, Herbert. Ce soir et soir de pleine lune, il me faut absolument cette fille. Va et ne la lâche pas. Bien, mon maître. Excusez-moi, mais je dois partir. Quel dommage. Mais j'aurai le plaisir de vous revoir. Sûrement. Merci encore pour la visite. Ce soir, tu seras mienne, mon cher ange, et grâce à toi, la race des loups-garous vivra pour l'éternité. Ouais, pas normal. Moi, je dis que c'est pas normal, ça. Ça alors? Mais il y en a encore plein par ici. Je vais installer mon piège et puis on verra bien demain. Faut mieux pas traîner trop longtemps dans le coin. Oh, c'est dommage pour l'expo, c'était passionnant. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle donne des idées à tout le monde. Le père Mathieu prétend avoir été attaqué par un loup l'année dernière. Un loup? Un loup-garou? Attention, inspecteur Jazz, cette nuit, c'est la pleine lune. Ma petite Lucie, il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Je sens des mauvaises vibrations, de très mauvaises vibrations. Dis, désastre, tu crois que mamie, elle nous laissera quand même dormir chez Lucie? Je sais pas, elle a pas l'air dans son assiette. Elle est dans la lune. Maître, j'ai localisé la fille. Bien, très bien. Surtout, ne la lâche pas. Lupus, Bartak, Sinalupus, Aka. Ah. Je vous ai mis leur pyjama et le doudou de désastre. La honte et le doudou. Et alors, tu suces bien ton pouce, toi. La honte quand même. Merci, Agathe. Je vous appelle dès que j'arrive, promis. Allez, en voiture, les fantômes. Ouais. Je ne m'y ferai jamais. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Allons, grand-mère. Ils sont grands maintenant. Je sais, mais quand même. Au revoir, oh. Grand-mère. Il pleut, ça bouille, c'est la fête à la grenouille. Quand il pleut plus, c'est la fête à la tortue. Ouais, ouais. Trop nul. Toc toc, qui sait pas chanter. Il pleut, ça bouille, c'est la fête à la grenouille. Quand il pleut plus, c'est la fête à la tortue. Ouais. Alloulou, 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 alloulou. Ouah, un loulou. Lucie, il y a un loup-garou qui court après la voiture. Hein? Cours. Oh, Toby, mais qu'est-ce qui se passe? Accélère, Lucie, accélère. Oh non, c'est pas vrai. Mais plus vite, Lucie, plus vite. Impossible, Toby, je suis à fond. C'est quoi ce bruit? Il est sur le toit. Non! Attention, les fantômes! Au secours!
Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est tout de même bizarre de ne pas avoir de leurs nouvelles. C'est peut-être le téléphone qui ne marche pas. Et si il marche? Enfin, te voilà. Fiche-moi le camp d'ici, toi. Bon, je vais encore essayer. Ça ne répond pas. Je vais voir ce qui se passe. Mon Dieu, ils ont eu un accident, j'en suis sûre. Allons, grand-mère, c'est peut-être juste une panne. Non, c'est un accident, je le sens, j'en suis sûre. Allons, ne t'inquiète pas, je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Oh, je le savais, j'avais un mauvais pressentiment. Mes enfants, mes pauvres petits. Oh non, c'est trop bête. Jazz, ton téléphone. Oh, mon maître, vous avez réussi. Oui, ça a été un jeu d'enfant. Regardez, il y a une voiture qui arrive. On dirait que nous avons de la visite. Attendons de voir qui sont ces gêneurs. Conduis là où tu sais, je te rejoins plus tard. Fais vite, le temps nous est compté. Ça se confirme. Une voiture a quitté la route à cet endroit. Pourvu que... Non, Lucie! Et après, il a emmené Lucie dans la forêt. Et Désastre? Il était avec Lucie. Horrible! Il faut absolument les retrouver. Oh, zut! On fait quoi maintenant? Parce que j'ai pas très envie de rester là, tu vois? T'inquiète pas, on va passer à travers la forêt et rejoindre la route. Et de là, on trouvera quelqu'un pour nous ramener au manoir. Ouais, bah, faut pas qu'on tombe sur l'espèce de truc poilu tout moche, là. Imbécile, il l'a laissé filer. Je m'occuperai de lui plus tard, la fille d'abord. On n'a rien trouvé, Jazz. Regardez ça, je crois que nous avons une piste. Cette trace est toute fraîche et elle est identique à celle découverte par le père Mathieu. Le loup-garou, il nous observait. Vite, c'est le seul moyen de retrouver Lucie. Le téléphone de Lucie. Allô? Grand-mère? Ton téléphone est au manoir, alors je me suis dit que j'avais peut-être une chance de te joindre sur celui de Lucie. Elle est avec toi. Quoi? Mais c'est une catastrophe! Écoute-moi bien, Jazz, il faut absolument retrouver Lucie avant le jour. Je te rappelle. Allez, on fonce! Bon, voyons voir comment éliminer cette bestiole. Je devrais trouver ça dans mes livres. Oh, je crois que nous sommes tranquilles maintenant. Ouais, finalement, il est pas si malin que ça, le loup-garou. N'empêche que si tu tombes dans ses griffes, eh ben, c'est drôlement tant pis pour toi. Hein. Il paraît que s'il te chope, eh ben, après, il te bouffe tout cru. Mais t'inquiète pas, hein, moi, je suis trop fort en loup-garou. Hein. C'est pas un pif que j'ai, c'est comme un radar. S'il est là, je le sens. Bon, ben, je ferai bien une petite pause, pas toi? Lucie? Eh oh, Lucie, t'es où? Ben... Lucie! Vite, par ici! Oh, mais c'est pas vrai, c'est un vrai capharnaüm, cette bibliothèque! Je ne retrouve rien! La solution est sûrement dans ce livre. Voyons voir ça. Loup-garou, voilà!
Pour tuer un loup-garou, il faut lui tirer dessus avec une balle en argent ou bien encore lui jeter de la poudre d'or. De la poudre d'or? Tiens, tiens, voilà qui est intéressant. Jazz! Chut! Venez! Ça venait de par ici. Il est sûrement caché derrière cet arbre. Salut! Eh ben? Désastre! Mais qu'est-ce que tu fais là? Imbécile, je n'ai plus besoin de toi. Va monter la garde. Je ne veux pas être dérangé. Oui, tout de suite, mon maître. Grand-mère, oui, nous l'avons trouvé. Désastre nous a conduit à la vieille chapelle de Baldwin. Il est sûrement à l'intérieur. Et de la poudre d'or? Oui, je m'en sers pour mes incantations magiques. C'est très efficace contre les loups-garous. Surtout, ne bouge pas, j'arrive. Je me débrouille pour venir. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça du tout. Faut y aller tout de suite, sinon il va manger Lucie. Tu as raison, Toby. Désastre, tu attends grand-mère ici. Toby et Toc Toc avec moi. Zut! Toi, t'es un copain du loup, c'est sûr. Tu vas nous conduire à lui et vite. D'accord. Venez par ici, cher ange. Voilà, nous y sommes. Mon maître est là, derrière. Ok, les fantômes, on y va. Ah, au secours! Au secours, les fantômes! Ah! Non! Aide-moi, Toby! Eh bien, on dirait que j'ai eu chaud. Mon maître vous punira! Bon, si Hercule arrive à faire voler cet engin, il doit y arriver aussi. Le moment est venu. Allez, réveillez-vous, cher ange. Venez, il est temps pour vous de rejoindre notre race. Jamais. Plutôt mourir que de vous ressembler. Mourir? Mais c'est ce qui va vous arriver, très cher. Votre vie d'humain s'arrête ici. Non! Là-bas, il y a de la lumière. Bon, cette fois, pas d'imprudence. Toby, va voir derrière la porte. Il n'y a personne, Jazz, mais c'est drôlement bizarre. Cette cape appartient à ma famille depuis des générations. Mettez-la sur vos épaules et je ferai de vous ma reine. Et si je refuse? Je ferai un festin de vos entrailles. Je crains que vous n'ayez guère le choix. Maintenant, venez avec moi. Zut alors! Aucune trace de ce maudit loup. Inutile de rester là. Allez les fantômes, en route! Tu viens, Toc Toc? J'arrive! Oh. Oh! Le fauteuil s'enfonce dans le sol! C'est comme ça. Mais lâchez-moi, vous me faites mal! Oh. Encore un peu de patience, ma jolie. La lune arrive et bientôt, tu seras mienne. Lucie! Oh, Jazz! Lupus, Bartaxina, Lupus, Saka. Vous arrivez trop tard, beaucoup trop tard. Allez, Jazz, vite! Non, lâchez-moi! Non! Au secours! Nous nous retrouverons! Non! Lucie!
chapelle. Maintenant, ma petite Agathe, il va falloir atterrir. Oula. C'est mamie qui conduit, on est foutus. Faut que j'aille lui donner un coup de main. Oh non, c'est pas cette manette là. Pas de panique, mamie, je vais t'aider. Déjà, comme je suis contente. Lâchez-moi. Le loup-garou, le si. Vite, César, passe au-dessus de lui. Pas de problème. Ça va, ma Lucie? Je crois, oui. Eh bien, je te promets que je ne plaisanterai plus jamais sur les loups-garous. Eh oui, Agathe a toujours raison. Normal, c'est mamie. Ouais. Au secours! Allez, assez d'émotions pour aujourd'hui. On rentre. Mais je ne savais pas qu'Agathe savait piloter. Mais elle ne sait pas.